Hey, salut tout le monde, c'est Mel de Géo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock, et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, le vaisseau de Futurama, je l'ai déplacé. J'ai retiré la plateforme du dessous, et la plateforme qu'il y avait aussi devant. Mais quand je l'ai reconstruit, eh bien je l'ai pas rempli, en fin de compte je l'ai laissé vide, entièrement vide, tout simplement parce que j'avais dit qu'on allait faire la ferme à cactus aujourd'hui. Et eh bien c'est ce que nous allons faire, et il y a une personne parmi vous, il me semble que j'ai pris son commentaire d'ailleurs pour le commentaire de fin d'épisode, je sais plus, on verra, même a proposé de faire la ferme à cactus carrément là-dedans, puisque le vaisseau il est vert, et que on utilise du colorant vert pour faire justement ces fameux blocs. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être très bien, une très très bonne idée du coup. Alors pour y accéder, évidemment, c'est Elytra avec les flèches, s'il veut bien... Ah, petit lag, le coup de flèche dans le cul à détonnement. Ok, à détonnement, ça veut rien dire, pardonnez-moi. Alors pour l'entrée, je pense que je vais passer par là, parce que ici on est à l'arrière du vaisseau, faut que j'installe tout ce qu'il faut, parce que là je peux pas remonter concrètement, parce que j'ai pas jump boost ni rien. Mais comme vous pouvez le voir à l'intérieur, voilà, c'est vite. Au passage, j'espère que vous avez apprécié le timelapse, n'hésitez pas à laisser un petit pouce... petit pouce bleu pour le timelapse. Ah. Je vous avouerai qu'il m'a pris tout mon temps. C'est con parce qu'il y avait quasiment rien à faire, mais la recherche de musique, parce que je vais pas vous cacher que Futurama je regarde pas beaucoup, hein, donc je savais absolument pas quelle musique c'était pour l'intro. Il a fallu que je regarde, j'ai trouvé très facilement. Et après trouver un remix, il a fallu que je fouille dans les tréfonds du net. Je vous ai laissé un lien d'ailleurs dans la description pour voir la musique, hein. Assez chiante à trouver. Mais bref, j'en ai trouvé une. Et ce qu'on va faire... C'est bizarre, j'ai reçu un micro freeze, un micro coup de lag. C'est qu'on va installer la ferme à cactus à l'intérieur. Donc du coup je vais installer des trap chests parce que j'ai que ça. On va connecter tout ça ici. On va mettre un hopper comme ceci et comme cela. Ça me semble pas mal. Ah ouais, et puis tac. Tac, voilà. Très bien. Donc le centre on va pouvoir le boucher parce que voilà, on s'en fout. Et ça va être ici qu'on va faire pousser notre canne à sucre. Nos cactus, pardon, excusez-moi. Nos cactus. Et du coup, on va faire ramener de la flotte pour qu'on puisse avoir justement toute la flotte qui ramène ici. Par contre, il va me falloir deux autres hoppers parce que je pense que je vais gruger un peu. Je vais mettre un bloc là. Un bloc là et... Faudrait que j'en mette un en dessous, faudrait que je regarde pour le mettre. Et mettre justement un hopper ici pour qu'on puisse avoir vraiment toute la largeur. Ça pourrait être pas mal. Alors, un bloc là... Un bloc là, et du coup en dessous on verra après pour le mettre. Donc du coup hopper ici. Donc faudra que j'aille en faire. Mais il faut qu'on rebouche tout ça. Alors pour les cactus, je vais pas faire une ferme de fou furieux. Parce qu'il y a des modèles de ferme qui sont extrêmement efficaces. Hein, vraiment très efficaces. Pour le moment on va mettre... est-ce que j'ai un truc là-dedans qui peut remplacer? Est-ce que j'ai... Ah, j'ai du bois déjà. Est-ce que j'ai du fer? Nope. Pas de fer. Ah, d'ailleurs, j'avais des coffres ici. Écoute, très bien. Je vais mettre des fours. J'en ai récupéré que deux, c'est bizarre, mais bon. Je vais mettre un four là et un four là. Pour l'instant, enfin, c'est pour bien savoir qu'ici, il faut que je mette un hopper et que du coup, que j'aille à l'extérieur pour pouvoir mettre mon bloc vert. J'ai ramené avec moi de la glace, des seaux. Il m'en faut deux. Pour faire notre source d'eau infinie, on va la faire... Ouais, ça a fondu instant, quoi. Ouais, pas le temps de dire ouf. La source d'eau infinie, on va la mettre juste là. Clac. Voilà, et on va récupérer de l'eau là. Très bien. Donc on va calculer. Il faut qu'on soit à 8 de distance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va être ici que je vais faire couler de l'eau. Donc ça va être sur cette ligne là que je vais remonter le bloc. Parce qu'on va faire en sorte qu'on fasse un écoulement d'eau. Par contre, pour ce qui est de l'écoulement de l'eau, je vais pas utiliser... le fait que ça fasse 8, boum, ça tombe et ça continue. Je vais remettre des sources d'eau un peu plus loin par là-bas. Donc on va utiliser... nope, pas ici. Non, pas ici. Juste là, ça sera pas mal. Clac, clac. Alors par contre, il va falloir que je... Non, c'était bon ici au final. Il va falloir que je mette de la luminosité. Donc on va chercher ce qu'il nous faut. On a deux lanternes. On va mettre une lanterne là. Clac. Et une lanterne là. Clac. Donc, je l'ai récupéré, ouais, j'ai dû le récupérer. Donc au-dessus de cet endroit, on va avoir des cactus. Donc je disais, ouais, il y a des systèmes de cactus, de fermes à cactus qui sont vraiment efficaces. J'ai pas tout pris sur moi pour pouvoir le faire, mais en gros, attends, je vais quand même vérifier si j'ai vraiment rien pour montrer. Je pourrais avoir ça, non, ça marcherait pas. Il faudrait que j'ai des ficelles. Avec des ficelles, il y a moyen de faire une ferme à cactus qui est vraiment complètement pétée. Mais en gros, on pose... un bloc de sable, un cactus, on met un autre bloc de sable par ici, on colle une ficelle. Donc étant donné qu'on aura collé la ficelle, on va dire que ça c'est la ficelle. Et boum, on remet un cactus et clac.
Ce qui fait que je vais. Bon, ce qui fait que quand le cactus va péter, techniquement, sur le côté là-haut, il y aura un autre bloc. Donc le cactus pourra pas péter de ce côté-là. Enfin, je vous donne l'exemple. Attends, je vais le faire directement, ce sera plus simple. Oui, si tu veux. Clac, clac. Voilà. Pète pas mon bloc, c'est bon. Donc je disais, quand le cactus va péter, il va rebondir ici, ou alors il va retomber dessus, mais alors ça sera pas de chance, mais tant pis. Techniquement, s'il y a vraiment beaucoup de cactus, ça devrait le faire. Et le cactus va tomber par là ou par là-bas, ce qui fait qu'il pourra pas tomber sur ce cactus-là, étant donné qu'il y a ce bloc-là. Donc le principe, il était comme ça, pour les grosses fermes à cactus. Moi, je vais juste faire une ferme à cactus, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Donc en gros, ça va être du sable, du cactus, et comment ça s'appelle? Des fences, des barrières, pour pouvoir péter les cactus une fois qu'ils auront grandi. Et évidemment, je vais essayer d'en mettre le plus possible, donc c'est possible que je fasse un deuxième étage pour en avoir un peu plus, histoire d'avoir un rendement correct. Et je vais pas faire un méga silo, hein, je vais juste laisser ces deux coffres là, ça me semble pas trop mal. Et peut-être que à l'avant du vaisseau, peut-être par là, on aura peut-être une petite cuvette pour essayer de récupérer des loots qu'on pourra jeter. Ou peut-être carrément là, si on jette, ou si on met un distributeur ici et qu'on crache les items, peut-être qu'on peut faire un trou dans le sol pour aller récupérer directement. Enfin, d'ailleurs, le trou, je crois qu'il va être juste à côté du trottoir. De la route, donc peut-être pas ici, mais en gros, il faudra que je fasse un système pour jeter des items et que ça soit directement récupéré dans le métro en fin de compte, que je ferai en dessous pour pouvoir trier les items directement dans ma salle des coffres. Ok, donc pour continuer dans notre lancée, on va continuer comme ceci à poser nos blocs. D'ailleurs, je sais pas vous, on va parler un petit peu d'ailleurs. Je sais pas vous, mais je regarde un youtubeur qui s'appelle Magma Musen, je crois. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin bref, son skin, c'est un cochon. Et la plupart de ses vidéos sont vraiment excellentes parce qu'il propose des designs très sympas sur beaucoup de choses différentes. Donc là, vu qu'on est passé en Père de Noël, il nous a fait des designs pour faire la maison du Père Noël et plein d'autres choses comme ça. Et j'aime beaucoup regarder ses vidéos parce que, en fin de compte, c'est relaxant. Il met de la musique. Déjà, j'ai découvert qu'en écoutant sa musique, il mettait de la musique d'Undertale. Donc pour les fans d'Undertale, voilà, c'est tout bénef. J'ai jamais joué au jeu, donc voilà, je dis que je l'aime pas, mais je l'ai jamais fait. Donc je vais arrêter de dire que je l'aime pas et je dis que je l'ai jamais testé, donc je sais pas ce que ça donne. Mais bref, pour revenir sur Undertale, il met de la musique d'Undertale. 4, 5, 6, 7, 8, tac, on va mettre ça là, voilà. Et ici, on va remettre de l'eau, hein, comme je disais tout à l'heure. Et en fin de compte, il n'y a que de la musique. Il écrit son texte sur l'écran, donc en gros il parle pas. C'est du off. Ça me semble pas trop mal comme ça. Ouais, ça me semble pas trop mal. C'est du off et il pose ses blocs et il fait sa construction. Et je trouve ça tellement relaxant de l'entendre. C'est con, mais entendre les gens poser des blocs dans Minecraft. Même quand je joue, tu vois, je mets une petite musique de fond et rien que ça, écouter de faire. Même le petit bruit quand tu récupères les blocs. Je trouve ça tellement apaisant. Enfin, moi en tout cas, j'adore. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, écoutez. On va mettre ça là. Comme ça fait la fermeture ici. Faut que j'aille récupérer de l'eau. Voilà. Donc là, on va mettre notre source d'eau. Et on va gruger un petit peu pour récupérer ce passage-là. Parce que là, l'eau passe pas. Donc, il peut y avoir du cactus qui va tomber là. Pour récupérer ce passage-là, on va juste mettre un bloc là. Donc, l'eau passe par là. Et on répète ce bloc-là. Du coup, s'il y a du cactus qui tombe, par exemple là, bah il sera quand même transporté et emmené là-bas. Alors, il y a encore les bords ici. Hein, donc, les cactus peuvent se poser sur les bords. On va rectifier ça par la suite. Hein, parce que là, de toute façon, il va falloir que je redescende chercher des hoppers parce que j'en ai pas assez. Et ensuite, on va installer nos cactus pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Parce que là, j'ai de la hauteur. Là, j'ai pas beaucoup de hauteur, donc il va sûrement y avoir qu'une couche. Mais peut-être qu'ici, il y en aura deux, peut-être qu'ici, il y en aura trois. Hein, donc on va voir, on va voir. On va faire ça ensemble de toute façon, ce sera plus sympa. Bref, je vais retirer ces blocs-là. Les sources d'eau ici, je vais pouvoir les retirer aussi. Voilà, merci. Et on va chercher nos fameux hoppers manquants. Voilà, les hoppers sont maintenant installés. J'ai pu mettre le bloc vert justement, juste derrière. Comme ça, je suis plus emmerdé par le hopper qui dépasse du vaisseau. C'est clean à l'extérieur. Et maintenant, nous allons installer les cactus. Alors par contre, vous avez vu que j'ai aplati les murs, donc j'ai gardé la bande rouge forcément parce que ça fait partie du déco,
de la déco. J'ai du mal ce soir, désolé. Oui, je tourne très tard pour le lendemain, c'est assez chaud. C'est assez chaud. Du coup, c'est parti. On va installer les cactus. Alors, pour installer les cactus, il va falloir les installer intelligemment. Donc déjà, on va commencer par faire attention à ça. Ici, il y aura... ce sera fermé avec une porte pour que je puisse y réaccéder. Et on va faire en sorte de pouvoir passer, en fin de compte, quand je vais arriver ici. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore l'accès. Hein, mais ici, il y aura une trappe avec une échelle. Comme ça, je vais pouvoir monter, fermer la trappe et refermer la trappe. Il va falloir que j'ai la possibilité d'avancer tout droit pour accéder directement, en fin de compte, à mes coffres sans trop avoir de soucis. Donc, on installe ceci ici. Quoi que tu me diras, ici, j'ai même pas besoin de le mettre. Hein. Hop. Ah oui, il faut d'abord que j'enlève... ah, oui. J'avais oublié qu'il va falloir que j'enlève le sable. Quoi que tu me diras... ouais, ici, ça se stagne. Donc peut-être que ici c'est un peu chaud. Ouais, ici, ça va être un peu chaud pour poser des cactus. C'est pas grave. Reviens, 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 reviens. Ici, tu me diras, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, parce que ça poussera pas. Est-ce que je peux gruger? Alors déjà, l'eau commence à me gonfler. Elle me pousse. L'eau me pousse. L'eau me pousse. Est-ce que je peux gruger en faisant ça? Parce qu'il faudrait que j'ai de la place là-haut. Je vais voir ce que ça fait à l'extérieur. Voir si je peux un peu gruger sur l'espace du vaisseau aussi. Il faudrait que je fasse. Et ok, il est au pigmen, donc nos soucis. Alors, au-dessus, ça donne quoi? Au-dessus, on est là. Ouais, au-dessus, il y a moyen de... ah non, c'est ça que je viens de péter. C'est cette partie-là que je viens de péter. Parce qu'ici, il y a le cactus. Ouais, attendez. Hop. Donc ouais, il faut que là, j'ai un bloc plein. Ou en tout cas, quelque chose qui retiendrait le sable. Parce que je peux pas laisser ce bloc de bois. Donc pour retenir, je vais utiliser des ficelles. Parce que j'aime bien les ficelles. On va péter ce bloc-là. Voilà, on va poser la ficelle, on va péter ce bloc là. Puis ça fait plus esthétique, t'as vraiment l'impression en fin de compte que t'as du sable qui flotte dans les airs, c'est classe. Voilà, bon, de ce côté là c'est fait, on va ressortir rapidement, voir si on peut rectifier ça. Alors, il faut que le cactus soit posé là, donc il faut que cette partie là aussi décède. Ok, ça décède, ça décède, donc... il faut que je ravance un peu le vaisseau comme ceci. Là, il pourra pousser. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Si ça pète, ça tombera par là-bas. Hein. Voilà. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On va laisser ça comme ça. C'est très bien. On redescend. Voilà. Et quand le cactus va pousser, ça va péter. Alors, soit évidemment, ça va rester sur le cactus et du coup, ça va être détruit. Soit ça va tomber par là-bas et du coup, c'est justement ce que je cherche. Bon, continuons sur notre lancée. Alors, pour l'instant, j'ai pas besoin des fences. Tout simplement parce que bah on a le vaisseau qui nous sert pour ça. Maintenant, on va reculer un chouille. Voilà. On va installer notre ficelle. Ah, la ficelle passe pas ici à cause du courant d'eau. On va du coup reculer juste dedans. Parce que techniquement, notre ficelle, elle tient ici. Ouais, elle tient juste là. On va en mettre une là. Ah, je vais être obligé d'en mettre une au milieu. Au final, je voulais pas en mettre au milieu, mais je vais être obligé pour avoir le plus de cactus possible. Parce que forcément, si je laisse que ces deux là, je vais pas pouvoir le coller ici à cause du mur. Donc, on va rester sur l'idée d'en mettre 3. Alors, sable, sable, sable. On va continuer juste à poser nos cactus. Enfin, les blocs de sable déjà. Sable, sable. Et sable, maintenant on va prendre du bois pour remonter. On va remonter au centre si on peut. Allez, go mon petit pote, go. Voilà. Le cactus. Maintenant il faut empêcher le cactus de pousser. Pour empêcher le cactus de pousser, on va utiliser une barrière comme ceci. Et une barrière comme ça. Tu me diras, je peux les laisser comme ça, hein, accroché au plafond. Ça fait plus RP, plus sympa. On va laisser ça comme ça, hop, on descend, on prend du recul, on regarde un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, là j'ai déjà quelques cactus qui pourront pousser et qui disparaîtront. Alors par contre celui-là il peut... alors déjà je les ai vraiment posés aux endroits qu'il faut pas. Aïe aïe aïe. Ok, c'est ces endroits là qu'il faut poser les barrières, hein. Va falloir que tu te réveilles, hein. Ça va pas, hein.
Ok. Donc là, peu importe les cactus, quand ils pousseront, ça pètera. Parce que si le cactus se pose là, est-ce que je peux en poser un? Non, je peux pas le poser. Mais quand ça va pousser, ça va dépop grâce à cette barrière. Du coup, on va continuer. Donc je vais continuer tranquillement et puis ensuite on va se retrouver histoire d'éviter de faire tout ça ensemble. Et on va voir le nombre de cactus que je vais pouvoir poser. Mais là techniquement, je suis pas trop embêté par le courant d'eau. Alors évidemment, j'aimerais bien avoir un autre accès plus simple. Mais je pense que je vais pas pouvoir avoir un accès plus simple que ça pour l'instant. Donc ouais, voilà. On va continuer sur notre lancée et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé d'installer tous les cactus. Alors par contre au niveau du calcul, il me reste 38 cactus, ce qui fait que j'ai pas posé ni un stack, ni un demi-stack. Donc ce sera pas une ferme extra efficace. Mais peu importe, moi tout ce qu'il me faut c'est un peu de colorant de temps en temps pour pouvoir avoir justement suffisamment de colorant vert pour faire du cyan. Et vu que le cyan on l'obtient avec du vert cactus et du lapis lazuli, ça fait deux colorants de cyan, ce qui me permet d'avoir 16 blocs. Techniquement, d'Ardennes clé cyan, ce qui est pas trop mal. Donc ouais, juste un cactus me permet d'avoir autant de cyan. Donc c'est cool. Pour ce qui est de l'eau ici qui coule, c'est tout simplement parce que j'ai rajouté en fin de compte 3 cactus. J'aurais pu en rajouter un autre ici, mais après ça va faire trop. Il faudra que je rajoute des murs et tout. Donc on va laisser comme ça. Si ça pète, hein, ça peut tomber. Alors c'est très rare. Enfin je pense pas que ça puisse tomber ici parce qu'il y a le mur là. Et du coup avec le courant d'eau, bah, il sera propulsé par là-bas. Hop. Et puis ici on a les hoppers qui sera. Enfin tous les hoppers en fin de compte. Il y a juste cette partie-là où là ça va, ça peut stagner. Ah ouais, ça peut stagner ici. Fuck. Ah si, j'avais vu ce qu'il fallait que je fasse en plus. Voilà, faut juste que je fasse ça. Et du coup ça se stagne pile poil au-dessus du hopper. Donc ouais, je pense pas qu'il y ait un cactus qui tombe ici. Ou alors si ça tombe ici, il faut vraiment que j'ai pas de bol quoi. Donc à la rigueur, je peux faire un pseudo poteau qui tombe de là-haut. Voilà, comme ça je suis sûr que ça tombera pas dessus. Et du coup, on peut le laisser comme ça. Voilà, donc ici j'aurai mes ressources de cactus. Pour l'instant, ça n'a pas produit, hein, parce que je l'ai fait très rapidement. Mais en tout cas, notre ferme à cactus est terminée. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ferme à cactus, pas super efficace comme je l'ai dit, mais fonctionnel. C'est tout ce qui compte. Je resterai à AFK une petite heure, je pense, le temps que je fasse mes montages et que ça encode tranquillement, histoire de voir combien ça peut produire. Donc bon, et je vous dirai ça sûrement au prochain épisode si j'oublie pas, parce que en ce moment j'oublie beaucoup de choses. Mais voilà, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille récupérer le commentaire de l'épisode et de voir la construction 5x5 d'entre vous. Alors oui, l'épisode n'est pas très long, encore une fois, je suis désolé, mais bon, j'ai fait l'effort de faire un petit timelapse. Et dans pas longtemps, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Je vous prépare d'autres choses bien sympathiques. En tout cas, j'ai pas mal de choses sur le feu. Bref. Ah oui, et puis pour ce qui est de la des items que je vais pouvoir cracher par là. Ah tiens, d'ailleurs, on va essayer un truc vite fait. Avant de partir, on va mettre un bloc là. Donc l'eau va partir par ici. Si je fais ça et que je fais ça. Là, l'eau ne revient pas au centre. Ouais, là, l'eau ne revient pas au centre. Donc à la rigueur. Est-ce que je peux péter ça? Nope, je peux pas péter ça. Je pense que ça non plus, je peux pas le péter. Donc on va le laisser comme ça. Ça va être ici qu'on va pouvoir dropper nos items. Du coup, la source d'eau. Ah, ça fait des sources d'eau stagnées ici. J'aime pas ça. Ah. Si je décale l'eau par là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas terrible. Hein. Ouais, c'est autre chose. Si je repète ça. Nope, toujours pas bon. Et si j'enlève ça. Ouais, ça stagne. Bon. D'ailleurs, là, je vois un autre souci, c'est que. Ouais, ça va pouvoir se stocker. Donc, j'espère juste que les cactus n'iront pas trop loin. Ils pourront se faire pousser pour aller dans les hoppers. Mais par contre, ça crée problème. Ça, faut le régler tout de suite. Clac. Nope. Si, ouais, là, je vais tout fermer de toute façon. Voilà. Et si je recrache juste ça. Voilà, impeccable. On va laisser ces deux blocs là comme ça. On va juste refermer comme ceci. Voilà, très bien. Puis à la rigueur, je peux même mettre. Il me reste du rouge. Ouais, il me reste du rouge. Je vais mettre du rouge ici. Ce sera plus sympathique. Tac, tac, tac. Tac, tac. Oh! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ne tombe pas comme ça. Inconscient! Voilà, alors par contre, pour remonter là-haut, on va utiliser ça. Ouais, du coup, le poteau, je vais le retirer. Allez, hop. Le poteau on retire et on peut passer par ici. Hein, ce sera pas évident, mais on peut arriver ici justement où je vais pouvoir balancer les items. Et du coup,
On va balancer ça. Faudra juste que je fasse hyper gaffe avec cette source d'eau. Que je sois pas emmerdé. Tu me diras, après, techniquement, je mettrai un distributeur. Avec probablement. Ouais, je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Est-ce que je peux. Ouais, je vais balancer un bloc de. Non! Oh. Le bloc de sable. La mauvaise idée. La mauvaise idée. Faut surtout pas que je pose le bloc ici. Alors on enlève ça, on enlève ça. Non! Oh, mais c'est pas vrai! Ce jeu va me rendre fou. Voilà, ce jeu va me rendre fou. Voilà. Donc je vais descendre. On va essayer de faire en sorte de réceptionner l'eau. Oh bah tu me diras, ça reste ici. Très bien. Enfin, très bien, non. Parce que. Du coup, si ça tombe là, c'est au niveau de la route. J'aimerais pas que ce soit au niveau de la route. On va faire une autre sortie. On fera une autre sortie parce que là, c'est la route, c'est pas terrible. Alors, à moins que je décale la route. Là, au lieu de la bifurquer par là, soit je la fais retourner par ici. Et du coup, ça passerait. Ouais, je pense que je vais décaler la route. Ce sera plus simple de décaler la route. Mais en tout cas, une chose que je retiens, c'est que c'est ici qu'on aura la sortie pour pouvoir récupérer les cactus que j'aimerais renvoyer. Tac, tac, tac. On repose ça. Les carpettes. Merci. Au revoir. Bref. Allez, on va chercher le commentaire et on va voir la construction que j'ai pu faire. Bon, j'ai passé un peu de temps à aller chercher le commentaire pour l'épisode, parce qu'au final je l'avais pas pris. Je pensais l'avoir pris, hein, comme je l'avais dit au début de l'épisode, mais au final non, je ne l'avais pas pris. Donc là je l'ai récupéré. J'ai fait la construction sur le dernier étage du deuxième immeuble, donc le deuxième immeuble est maintenant complet. On ira le voir juste après. Et du coup, bah vu que j'ai passé un peu de temps à chercher le commentaire et à faire la construction, eh bien la ferme à cactus a commencé à produire. Donc avant de lire le commentaire, bah écoutez, on va aller regarder un peu ce qu'elle a produit, tout en sachant que les 28. Ah oui, j'ai installé ça aussi. Pour pouvoir rentrer et sortir. Tout en sachant que les 38 de cactus que j'avais de base, je les ai rebalancés là-dedans. Donc du coup, il y en a plus de 38 qui, c'est normal, qui sont là-dedans. Donc on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc ça, je les retire. Donc on a 17 ici. Et là, on en a 12. On en a produit 29. Presque un demi-stack. Donc franchement, ça va. Franchement, ça va. On en a plus d'un stack maintenant là-dedans. C'est cool. Ça produit en l'espace de peu de temps. Donc ça fait plaisir. Alors on va sortir d'ici, on va aller regarder la construction avant d'aller lire le commentaire. Je pense que ce sera plus simple, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette construction. Elle est très sympa, par contre elle était. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais elle était chiante à faire, il faut le dire. On va essayer de passer dans les fenêtres. Raté. Ok, voici la construction. Donc c'est une construction. Voilà, merci. C'est une construction de Yoshikta. Alors, merci beaucoup pour ta construction parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était vraiment sympa. J'ai mis une ficelle ici. Je sais pas s'il y en avait une. C'est pour éviter que cette liane dépasse. Bah voilà. Là, ta construction est parfaite. Elle est pile poil comme elle devrait être. D'ailleurs, je devrais peut-être même mettre une ficelle là. Ici, pour être sûr. Dégage-toi. Parce que sur les screens que tu m'as envoyé, cette liane était de 2, cette liane de 1. Donc j'ai mis une ficelle ici, j'ai mis une ficelle là pour éviter que ça aille trop loin. Donc voilà, par contre, ici, techniquement, je ne devrais pas mettre les blocs que tu as mis parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ça fait 6 blocs. J'ai demandé 5 blocs. Donc exceptionnellement, je l'ai pris parce que si je laissais l'andésite, bah malheureusement, les bûches qui sont incrustées dans le sol. Ne serait pas là, du coup ce serait un peu bizarre. D'ailleurs, je me demande s'il manque pas quelque chose ici. J'ai peut-être oublié quelque chose ou pas, je sais pas. Enfin, bref, si j'oubliais quelque chose, je le rajouterai. T'inquiète pas, j'ai toujours les screens de toute façon. Mais du coup, ouais, exceptionnellement, j'ai mis ça. Ce qui fait qu'en dessous, bah en dessous, ça fait un peu bizarre. Hein. Donc il va falloir que je rajoute des dalles un peu bah, sur tous les étages pour éviter qu'il y ait ce genre de soucis. Mais là, j'envoie un petit message pour toutes les personnes qui voudront m'envoyer ce genre de construction. N'oubliez pas que le sol, vous ne pouvez pas y toucher. C'est là toute la difficulté du 5 par 5 par 5. Déjà 5 par 5 par 5, on peut faire des trucs vraiment géniaux. Hein. Donc bon, voilà. Donc voilà. Exceptionnellement, comme je l'ai dit, Yoshikta, voilà, je l'ai fait. Mais il faut pas que les autres le fassent. Voilà. Donc désolé pour les autres qui auraient fait ça, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait ça et je l'ai pas pris justement parce que bah ça allait pas sur le thème que je voulais. Mais là concrètement, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Vraiment beaucoup. Ah, là ça. Non, techniquement il n'y en a pas sur les côtés, mais tant pis. Hein. J'ai beaucoup aimé celui-ci, et puis si j'aurais pas mis ça, ça serait pas resté dans le thème. Bref, on va lire le commentaire maintenant si vous le voulez bien. MLG, pour une déco en plus pour ton usine à moutons, tu devrais faire une cheminée comme les usines avec de la fumée colorée. C'est.
C'est juste un conseil de déco en plus. Kikoulol XXL. Alors, on aura beau dire les Kikoulol disent un peu de la merde, ou font un peu de la merde. Mais dans ce cas-là, c'est tout le contraire. Ce cher monsieur Kikoulol XXL m'a donné une idée super. Alors par contre, parce que je suis en entêté, j'aimerais passer par la fenêtre. Donc voilà. Je vais passer par la fenêtre parce que je suis un entêté. Allez, vas-y. Allez. Voilà. Allez. On va retourner à l'usine à moutons. Allez, go mon petit. Arrête de laguer. Voilà. Très bien. Donc je suis pas retourné depuis qu'on l'a fait l'usine à moutons. J'ai pas farmé de laine pour le moment. On m'avait fait aussi la remarque que c'était très carré. Mais c'est justement le but. Faut que ça fasse carré pour que... Ah, c'est vrai qu'il me restait du stuff ici. Ouh. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de stuff ici. Faut que je ramène tout ça. Bref, du coup on m'avait dit que ça faisait très carré, mais c'est fait exprès que ça fasse carré parce que c'est le but désiré. Par contre l'idée de la cheminée, j'aime beaucoup. Ce qui fait que pour la cheminée, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on a une structure ici, je pense soit, hop là, soit ici sur le côté, donc collé à la structure, soit carrément derrière, mais de ce côté-là, pas là-bas, de ce côté-là, je fasse une grosse cheminée avec une fumée multicolore. Mais la fumée multicolore, je vais la faire proprement, je vais pas faire plein de couleurs en vrac. Je pense que je vais faire une fumée d'arc-en-ciel qui sort. Hein, donc ça va commencer par le rouge, orange, jaune, etc. etc. Et j'utiliserai pas de la laine, j'utiliserai du verre et des vitres. Pour faire l'aspect fumé tout simplement. Donc voilà, bref, on va s'arrêter là pour cet épisode les amis. J'espère que celui-ci vous aura plu avec une petite flèche dans l'avant-bras. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye!